Lioma en est mobilisé devant le ministère de la Culture pour impliquer le ministre de la Culture dans le processus de libération des garçons, vu que dans deux jours, c'est le 9 avril, donc il va y avoir une grâce présidentielle et une libération conditionnelle. Et nous espérons que les garçons fassent partie de la liste par la libération conditionnelle, du moins, ou à la grâce présidentielle, parce qu'ils ont déjà dépassé Shtar al-Mudda al-Matouba, Shtar al-Am, Hakmo Ba'am ou Maliona. Donc on espère qu'il va y avoir une réponse du ministre en attendant. C'est très pacifique, on est très calme, il ne va pas y avoir de violence ou quoi que ce soit. On est dans une on ne va pas dire une marche de protestation, mais on va dire un waqf. Inch'Allah, Rabbi farj alayhi wa farj ala al-abid li mawqufin ala zat lakum. Ana Om Mahmoud Aïd, mawqouf fi sejn Mournaqaya. جينا اليوم قدام وزارة الثقافة باش نعملوا وقفة احتجاجية. فماش ما يسهل ربي ويخرجوا لنا الأولاد توا عندهم 16 ونص، وهنا قاعدين نجري، فهمتني؟ إن شاء الله ربي يسهل. هاو جينا اليوم احنا لوزير الثقافة، فماش بوسيبيليتي هكا، فماش معاونة شوية، يعاونش في الأولاد خليه يخرجوا. هذا هو Thank you.